Et donc, nous voici, nous voilà. Alors, déjà, je vais mettre ça ici, par contre. Voilà. Alors, Commando 2, sorti donc en 2001, pour être exact. D'ailleurs, j'ai noté 2000, mais en fait, c'est 2001. Bravo, on commence déjà avec une erreur, c'est génial, c'est 2001. Du coup, donc sorti en 2001. Je comprends pas pourquoi vous avez pas la capture. Ah bah oui, parce que il cherche un autre. Voilà. Donc, Commando 2, Man of Courage, donc sorti en 2001 sur PC et Mac. Il y aura une version PS2 et Xbox, mais qui seront un peu différents au niveau du jeu. C'est-à-dire que on sera beaucoup plus guidé. Et il y aura moins en fait d'action possible. J'avais joué, je crois, à la version PS2, si je me souviens bien, de Commando 2. Je crois que j'avais joué à la version PS2 chez un pote. Un pote l'avait acheté en version PS2. Et moi, du coup, je me suis dit, ah, mais ça va être comme le jeu PC. Que nenni, c'est beaucoup plus simplifié, beaucoup plus guidé en fait. Donc toujours évidemment développé par Pyro Studios. Un studio donc, du coup espagnol et édité par quasiment le plus gros éditeur du moment, à savoir Eidos, hein, qui à l'époque avait moult pognon dû à Tomb Raider notamment, dû à Hitman, dû à Deus Ex. Je crois que c'est Eidos qui a, parce que bon, ils ont perdu pas mal de pognon avec Daikatana, mais je crois qu'ils ont récupéré un peu leur mise avec Deus Ex. Et donc du coup, jeu donc, comme je disais, tactique temps réel, toujours la même chose, sauf que là cette fois-ci on sera en 3D, alors en 3D, pseudo 3D, parce qu'il y aura quand même des éléments un peu 2D, mais ça sera vraiment, on passera à la 3D, là où vraiment Commando 3 sera vraiment full 3D complètement, toujours vu du dessus mais en full 3D. Là où après Commando Strike Force, qui n'est plus du tout un commando like, dommage, sera en FPS. On le fera peut-être Commando Strike Force, parce que même si les gens n'avaient pas aimé, que j'avoue que c'est pas un commando, moi j'avais bien aimé. Donc, Commando 2. Comme je le disais, donc du coup sorti en 2001, on aura toujours les mêmes personnages avec évidemment le béret vert, souvenez-vous, hein, le béret vert, l'artificier. Le mécano qui est en fait le chauffeur, l'espion, donc The Frenchie en anglais, le nageur de combat, avec du coup deux, entre guillemets, nouveaux personnages. Natasha, qui est donc du coup la femme qu'on a vue dans la donne Le Sens du Devoir, souvenez-vous, c'est avec qui on... C'est la femme qui faisait bugger les ponts, souvenez-vous, on pouvait marcher sur les ponts et tout ça. Souvenez-vous, cette mission, on a bien saccagé le jeu comme il fallait. Deux nouveaux personnages, du coup, le chien et le voleur. Donc, un voleur qui est en fait un jeune homme qui a rejoint la résistance. Donc voilà, c'est graphisme 3D, rotation de caméra, etc. Si je me souviens bien, alors est-ce que c'est dans le 2 qu'il y a tout de suite... je crois que c'est dans le 2, oui, dans le 2, on a normalement les maisons, c'est-à-dire quand on rentre dans un bâtiment, on voit ce qu'il y a dans un bâtiment. Je crois que c'est dans le 2 qu'on a déjà, on verra ça, mais je crois que dans le 2 on l'a déjà, ou alors c'est dans le 3 que ça a été introduit. Et du coup, voilà, petite nouveauté, tous les commandos peuvent porter les corps, nager ou mettre un uniforme ennemi, mais si je me souviens bien, pour mettre un uniforme ennemi, il faut pas tuer le soldat. Sinon, l'uniforme a du sang et donc du coup, ils peuvent pas le mettre. Porter un corps, bah, du coup, suivant les personnages, ça va être plus ou moins long de traîner le corps, etc. Et nager, pareil, sauf que le nageur de combat, lui, il peut nager sous l'eau, alors que les autres ne peuvent que nager en surface. À la base, oui, comme j'avais déjà vu. À la base, il y avait une version Dreamcast qui était prévue, mais comme 99,9% des jeux prévus sur Dreamcast en 2001, il a été annulé. Pas oublier que sur Dreamcast en 2001, il y avait aussi Half-Life qui était prévu, qui aura bah, du coup une partie de sa
de sa campagne qui sera mis sur PC, c'est-à-dire que Blue Shift à la base devait être sur Dreamcast, Blue Shift hein, du coup, à la base ça devait être sur Dreamcast, et bah, ça sortira sur PC, et bah, ça sera du coup la PS2 qui aura, la, qui aura Half-Life. Ah oui, bah ça, d'accord. Donc ça, c'était. Alors oui, bah ils ont mal fait leur com, mais bon, ça va encore. Théoriquement, on devrait avoir les voix françaises, parce que sur GOG, le jeu est en anglais, mais le jeu était sorti en français. Et nous, évidemment, nous adorons les doublages des vieux jeux en français. C'est toujours une pépite. Donc du coup, j'espère qu'on va avoir vraiment tout en français. Normalement, tout est bon. Ouais, il y a eu un mode qui s'appelle Destination Paris qui rajoute des choses. Mais Destination Paris, en fait, c'est parce que... alors, c'est un jeu de mots par rapport à Commando 3 qui s'appelle Destination Berlin. Donc du coup, c'est un mode qui a été créé au moment de, Commando, de la sortie Commando 3 qui s'appelle donc, du coup Destination Paris en hommage, entre guillemets, à, au jeu Commando 3 qui venait de sortir Destination Berlin. Et du coup, Strike Force, comme je disais, qui sortit en 2006 et qui était plutôt un FPS. On verra si on le fera. En tout cas, on va donc couper la capture, couper la moseka, et on va du coup se lancer ça. Alors, Commando 2 est un jeu, comme beaucoup de jeux, très très chiant à utiliser. Si vous avez qu'un seul écran, le jeu fonctionne parfaitement bien. À partir du moment où vous branchez un deuxième écran, rien ne va plus. Alors il faut trouver des micmacs par-ci par-là pour que ça marche. Là, vous pouvez considérer que c'est une vieille Dodush. Et en fait, comme toutes les vieilles Dodush, ça va mettre du temps à se démarrer. Donc du coup, comme toutes les vieilles Dodush, ça va mettre du temps à démarrer. C'est le bon truc. Ben non, il est là, voilà. Par contre, j'ai oublié de mettre le son, alors il va falloir que je le configure là, vite fait. Est-ce que ça va fonctionner du premier coup? Alors moi, ça m'a explosé les oreilles. Mais ça fonctionne du premier coup. Donc du coup, le son de Commando 2, je le mets dans Game. Ça marche bien. Alors, j'ai juste baissé le son du jeu. Wavelink, il est là. Le game, au lieu de 80%, on va mettre 70%. Option son, on va faire ça. Alors, on va la mettre très basse. Effet sonore allié voix du briefing, ok. Ok. Option de jeu. Ok. Et ben voilà, ça a l'air de bien avoir fonctionné. Alors j'espère que chez vous, du coup, ça, ça s'affiche bien. Et donc du coup, on va pouvoir jouer. Défaut, oui, admettons. Camp d'entraînement aperçu seulement. Ah oui, il faut faire du coup les camps d'entraînement. Ah oh, bah c'est parti. De toute façon, ça va être un let's play. Donc oui, pour ceux qui... c'est vrai que je l'ai pas dit... au début de la VOD, mais ça sera le let's play de, j'allais dire du mois d'octobre, mais en fait plus loin, ça prendra peut-être novembre. Donc là, on va vraiment tout faire. Voilà, pour ceux qui découvrent, on va vraiment tout faire. On va faire Commando comme, enfin Commando 2 comme on a fait Commando. 3, 2, 1, c'est parti. Ce poste frontière va neutraliser. Éliminons l'officier. Sans lui, ces hommes ne résisteront pas longtemps. Ces deux-là vont mourir, autant les soulager, mais en douceur, hein. Là-bas, de l'autre côté, tu vois la caisse? Je devrais aller voir s'il n'y a pas un truc intéressant dedans. J'ai qu'à grimper sur le poteau électrique et avancer le long des câbles. Bon, bah je vais passer une petite commande. Si tu trouves des cisailles, je coupe ces barbelés et je démine le terrain. Ah! Ah! Alors, comme Commando 1... Exactement comme Commando 1, je me suis fait avoir. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, dans Commando 1, il y avait une résolution pour les menus et tout ça, et une résolution pour le jeu.
Donc, du coup, je reste pour mon grand. Alors, ici, une capture. Commande de menu. Enfin, menu. Menu. Et il me faut du coup une capture. Alors, copier. Est-ce que je dupliquer comme ça? Oui. En fait, il faut une capture. Ah oui. Ah, il y a du coup. Il me dit, on trouve pas. Non, c'est pas bon. Ah, mais ça peut faire deux captures? Non. Comment ça? Alors, ok, je descends. Je vais faire avec. Comment dire? Avec ce blaze. C'est parti. Comment va? Après, il faut que je sois live. Alors, design, nous, j'arrive. Ah, mais du coup, c'est la merde. C'est peut-être le truc. Bah, c'est important, là. Nouvelle, quelque chose de fenêtre. Un capture de jeu, ça marche ici. Ah, c'est cool. C'est cool. On a fait mettre un commande 1 et d'aller sur le commande 2 en c'est bien dit. Le jeu, on s'emmerde à faire la tête. Ouais, on va faire ça, deux trucs. Parce que, hop, hop. C'est cool, si je fais la mission pour Smith, c'est moche. Là, si je fais ça. Et comment je fasse ça, 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 ça. Hop, un tiers de table. On verrouille. Oh, c'est de la merde. Comment c'est de la merde? Attends, on est. Il tire à l'écran. Hop, si je fais ça. Non, ça va marcher. Oh, ça va être magique. Mais ça change pas le truc. Oui, mais va être comme si, parce que je me ferme. Hop, il y a un truc en marque que je l'échappe. C'est cool ça. Ok, je veux juste changer. Donc, c'est ce que ça affiche. Ah, ça je peux faire quoi? Parce que là, en gros, ça va être ridicule petit lors des combien? Lors des cinématiques. Je peux pas lui dire de regarder toujours la même taille. Est-ce que j'ai fait ce commando que c'est une découverte? Commando 2, oui, j'ai déjà fait la première mission à l'époque. Mais sinon, tout le reste, toi, je l'ai pas fait. Donc, commando 2, ça va être une découverte. Écoute, c'est petit. Allo! C'est trop petit! Oh, ça me gêne ça! Ça me gêne! Mais là, c'est petit, du coup. Ça m'ennuie fortement. Je trouve ça qu'on puisse pas dupliquer les fenêtres. Là, j'ai pas le droit de reprendre la fenêtre, en fait, c'est débile. Ah, c'est nul. Je sais pas ce que je peux faire, je vais pas faire sur OBS. OBS, c'est ça gêne. Ou alors, ce qu'on fait, au pire, on va faire un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, c'est bon. Ok, on va faire ça pour envoyer c'est génial, on s'éclate. On aime ça, gêne ça. Et au pire, on fait ça. Parce que je peux pas switch. Et ASCII. Regarde, c'est gauche. Si je fais ça, et ça. Ah, une seconde. J'écoute depuis longtemps. Une petite seconde. Ah oui, c'est la même capture, idiot. Non, c'est ça, je mets plus grand. Idiomètre, c'est ça, je mets plus grand. Voilà, comme ça, ça c'est bon. Du coup, ça arrive. J'ouvre ceci. J'ouvre ceci. Attendez. J'ouvre ceci. Ça, je le dépasse là. Là. Ah oui, je veux pas. Ça arrive. Ça arrive. Oui, c'est très simple. Tout va bien. Hop. Alors, c'est bon, je vais pas switcher facilement entre menu et XD. En plus, j'ai mal remettre ce menu. Menu, c'est bon. Là, ça sera game. Et là, ça sera menu. Ok. Donc là, si on teste, bam, 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 bam. Ok. Ok. Tout est bon. Tout est bien. Ah, si je fais ça et que je fais ça. Ah. Donc on peut redémarrer. Ce poste frontière va ralentir nos troupes, faut le neutraliser. Éliminons l'officier. Sans lui, ces hommes Parfait. Ne résisteront pas longtemps. Ces deux-là vont mourir, autant les soulager, mais en douceur, hein. Là-bas de l'autre côté, tu vois la caisse? Je devrais aller voir s'il n'y a pas un truc intéressant dedans. J'ai qu'à grimper sur le poteau électrique et avancer le long des câbles. Bon, bah je vais passer une petite commande. Si tu trouves des cisailles, je coupe ces barbelés et je démine le terrain. Hop, hop, et voilà. Ah, ça marche tellement bien. Alors, du coup... Un problème? Du coup... Donc, il faut tuer lui en discrètement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le détecteur de mine. On a le gun. Est-ce que c'est toujours les mêmes... Oui, W pour... Je suis parti. Non, reste là. Ah oui, c'est vrai que maintenant, on a un inventaire. On a un inventaire dans Commando 2. On n'avait pas avant. X, c'est quoi? Couvrir debout! Ok, debout. Ça, c'est la vie. Ça, c'est notre personnage. Ça, c'est j'en sais rien. Ok. Ça, c'est quoi? La carte. Très important, la carte. Ça, c'est quoi? L'aide. Ah oui, d'accord. Les objectifs, on n'a pas d'objectif. Le champ de vision, c'était tab avant. Hein. Ouais, c'est toujours tab. Ça, c'est les différentes caméras qu'on n'a jamais utilisées dans le 1 d'ailleurs. Alors. Je suis parti. Ah oui, d'accord, quand ça c'est ouvert, on peut pas faire ça. Donc. Ok. On a ici donc notre nouveau personnage, le voleur. Parti. Donc là, pour l'instant, c'est l'entraînement. Donc là, il n'y a pas vraiment de contexte dans l'émission. On ne nous présente pas vraiment de choses. Donc on a Q pour assommer et on a les rossignols. Une promenade. Alors par contre, on sait que lui, du coup, il se déplace. Bravo, Michel. Je me grouille. Qu'est-ce qu'il va? J'y vais.
Alors, avant c'était H, mais c'est plus H. Je me grouille. Ouais, c'est lock. C'est par fait. Contre. Ouais. Je cherche les boutons. Oui. Oui, comment on fait pour... Je suis parti. Qu'est-ce que c'est ? J'y cours. Ah oui, X, c'est la couverture. Ah oui, c'est un mode cover comme dans un jeu de... D'accord. Mais si je veux le ramasser... Avant, c'était la main. J'y cours. Oh, ça va être compliqué. Je peux se remettre dedans, hein. Je suis parti. Bien. C'est fait. Alors. Point, 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 point. Admirez le travail. Ok. Mais là, on voit là, non ? Oui. Abort, abort the mission. Au boulot. Mais comment je le ramasse ? D'accord. Mais... Il y a un truc que j'ai loupé, non ? Il y a un truc que j'ai loupé. Que vous avez bien vu au début, c'est bien dit, tous les personnages peuvent ramasser, tirer les... Ah, mais il faut peut-être être debout, debout. C'était élémentaire. Élémentaire, mon cher. Au boulot. Non, ça c'est le détecteur de mine. Donc, c'est non. Le mec, il fait... Ça fait trois fois, Michel, que tu t'endors quand même. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? D'accord. Je suis parti. Je suis là. Lève-toi. Ça me botte bien. Oh ! Pardon. Je suis un peu précipité. Ce poste frontière. Oui. Un truc pour moi ? Alors. J'arrive, mon lieutenant. Parti. Alors, par contre, je ne... Ah, mais non. Comment qu'on fait pour le... Parti. Ouais, si on peut pas tout petit, je le faisais tout petit. Les cigarettes, hop, on prend. Comment on fait? Ok, parce que là, d'accord, mais donc avant c'était H pour la main. Ok, d'accord, j'ai un truc pour enlever le HUD. Ça me botte bien. Reste couché. Ah, mais du coup, les cisailles. Ah oui. Ça, c'est un des trucs aussi du 2. C'est quand on clique sur un objectif, il nous le montre. C'est déjà bien. Par contre, ça, j'aimerais enlever ça. Emparez-vous des cisailles dans la caisse en métal. Ah oui, d'accord, c'est là-bas. Ok. Faites un passage dans les barbelés. Oui. Éliminez les officiers. Oui. Mais du coup, on passe par où avec Jean-Roger ? Tout petit, je le faisais. Ah, mais il dort ? Il est pas assommé, lui ? Uh-huh. J'arrive, mon lieutenant.
Ah oui, merci. Merci le jeu. Je suis très con. Ah ouais, d'un con. Une promenade. Attendez. Oui. Oui, mon lieutenant. Oui, mon lieutenant. Ah, tu m'as trigger. Ah, merde. T'inquiète. Oh. Ce poste front. J'ai dit que c'était le tuto ou pas? Un truc pour moi? Ouais. Parti. Mais comment on fait pour... Ok. Je suis sûr qu'il doit me manquer une touche à la con. Tout petit, je le faisais. Ouais, je vais regarder dans le menu. Parce que je suis sûr qu'il y a une touche qui me manque quelque part. C'est pas possible. Ah, on peut pas regarder les touches en jeu. Ok. D'accord. Ça me botte bien. Lâche ta terre. J'y vais. Et du coup, comment je monte là? Parti. Oui. Ouais. Je vais te piquer tes cigarettes avant. Ouais. Et Ok. Tac. Alors, on va prendre l'artiste ici. Oui, mon lieutenant. J'arrive. D'accord. Il avait une voix un peu plus fluette hein, avant. D'accord. Battre à mort. Ok. Non, oui. Chute. Colonel ? Ah oui, je suis colonel maintenant, je ne suis plus lieutenant. Oui, je ne suis plus un simple lieutenant. Fini. Ah bah oui. Non, chute. Reste dodo. Voilà, très bien. Te réveille pas, pas. Oui, du coup, je veux bien, mais comment je monte? Les mains dans les poches. Les mains dans les poches. Ouais. Non, te réveille pas. Pute. Ok. Tiens. Mais pareil, avant dans le 1, on pouvait les ligoter. Ouais. Là, je sais pas, non, c'est interdit. Ah, ça, c'est bien. J'essaie toutes les touches. Hein. J'écoute, c'est... monsieur. Ah. Je suis là. Monsieur François Valéry. C'est pas ça. Non. Ah, j'ai enlevé l'interface. Colonel. Merci. Non, ça, vite c'est pour, fait, bien fait. Ok, d'accord. Ça c'est pour tourner la vue. Boing, 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 boing. Ah, moi qu'il faut tourner la vue pour trouver un truc. C'est non. Oh, ça va commencer à m'emmerder cette histoire. Ça me botte bien. Ah, ouais, dodo. Hop. Portée. Utilisez cette option pour déplacer des objets. Appuyez sur Maj puis cliquez sur un objet. Pardon ? Parti. C'est non. Plongée. Poteau téléphonique. Donnez à votre tireur d'élite une position idéale. Appuyez sur Maj. Ah oui, d'accord. Ok, donc Maj c'est pour... Ok. La touche Maj, c'est pour interagir avec le décor. Alors. Tout petit, je le faisais. Ok. Mais donc.
Sentir et grimper, ce que j'ai que le mur. Ok, bon. Ok. Bonjour. C'est bon. Ok, c'est parce qu'en fait le jeune il peut pas porter ni ligoter. Ok, bon, très bien. On avance, on comprend le jeu. On donne un petit coup au cas où. Ok. Donc du coup, oui, quand il disait sur Wikipédia, tout le monde peut porter, sauf le jeune, en fait. Le voleur ne peut pas. Une promenade. Et du coup, la touche mage, c'est la touche d'action par défaut. Et bah c'est très bien. Ok, on va pouvoir avancer. Okay. Alors, dans l'idée... Est-ce qu'ils vont voir en haut? Ah ok, ça c'est l'énergie. Ok. Alors, par contre, Jean-Michel, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que je peux tomber sur les gens? Oh. C'est non! Ce poste frontière. Est-ce que je peux tomber sur les gens? C'est non. Un problème. Bon, du coup, maintenant, je sais qu'on peut frapper et ligoter avec D'accord. lui. Donc, ça sera un poil plus simple. Hop. Allez. Il y a personne qui nous voit en fait de eux là. Je suis parti. Parce qu'au pire du pire, on peut se servir de lui pour déjà frapper tout le monde, quoi. Je suis parti. J'ai oublié. C'est ma faute. Ce poste frontière va ralentir nos troupes. C'est ma faute. J'ai oublié que c'est vrai qu'il y a le bruit dans Commando 2. D'accord. C'est ma faute. Et ça va, maintenant on comprend un peu plus. Hop. Je suis parti. Allez. J'arrive. Ok, mon lieutenant. Je suis parti. Ok. Oui. Il va pas se retourner, je crois. Hein. Je suis parti. Ça, c'est bien, ça. Non, c'est pas ce que je pensais. Ah oui, c'est sauvegarde éclair. Elle est très claire, la sauvegarde. Alors par contre, je voulais, c'était... Ah mais c'est les mêmes raccourcis que dans Commando 1. Dans Commando 1, il y avait ça, je l'utilisais jamais. Mais dans Commando 1, il y avait ça. Peu. Ça. J'arrive, mon lieutenant. Ah, bientôt, hein. On l'aura peut-être après le. Ok. Hop, petit ligotage.
Du coup, Michel. Un coup de main, colonel. Hop. Terminé. Par contre, du coup, je sais pas la touche pour... Par contre, je ne sais pas la touche pour sauvegarder rapidement. C'est peut-être F9. Là, je regarde. Souhait. On va se mettre dans ce sens-là. Non, mais le problème, c'est que du coup... Ah, mais non, mais en fait... Idiot 2000. Attendez, si je me mets là, y a personne qui me voit là. Si? Ah non, en fait. Au pire, on redescend là et on fait le tour. J'y vais. Personne qui le voit, Jean-Michel. Parti. Par contre, en fait, oui, mais... En fait, oui et non. En fait, ouais. Autant juste... Hop, ouvrir ça. Avec les rossignols. Ok. Ok. Donc, on récupère les cisailles de Michel. Et des grenades. Vous savez que les grenades, c'est ma grande passion. C'est un peu comme les chevaux avec Omar Sharif. On n'est jamais déçus. On va donner les cisailles à Michel. Mais en fait, vu qu'on a les grenades, on peut très bien se planquer là. Ouais. Alors, Michel. J'y vais. Michel. Michel, j'avais fait comment pour... Ok. Là. W. Tiens, je te donne tes 10 cisailles, Michel. Et des grenades. Ouais. Alors, Michel... Oui. Michel, c'est lui. C'était okay. Élémentaire. Élémentaire, mon cher. J'avais oublié... J'ai oublié la notion de mine. J'avais oublié la notion de mine. Ouais. Ah, mais... Hein ? Ah, j'y avais pas été encore ? Oh. You soy débile. Ah, mais je... Je me dis, le détecteur de mine, c'est vrai que ça doit servir à quelque chose. Oui. Merci de me répondre. Ok. Ok. Non, bah non. De l'autre côté, Michel. Ouais. Ouais. Allez, on remonte. Non, pas par la Zinedine. J'y vais. Je baille déjà, donc c'est fou ça. Alors, Michel, tes cisailles, tes grenades, et on va sauvegarder.
Oui. Oui. Alors. D'accord. Terminé. Ça marche comment, du coup, le détecteur de mine ? En fait. Ça me botte bien. Est-ce que... Oui. Ça marche comment, du coup, le détecteur de mine ? Parce que... Yeah, bah ! C'est fait. Ah, d'accord, on en voit une là. C'est mon rayon. Terminé. D'accord. Au boulot. D'accord. Au boulot. Ok. D'accord. Au boulot. Ok. Donc normalement, il faudrait que dans un bon commando, on fasse plusieurs sauvegardes. Parce qu'on sait jamais, on peut faire une connerie. Pardon. Là, bon, c'est le tuto. C'est mon rayon. Au boulot. Bon. Ouais, ça va, quoi. Ce. Voilà, bon. J'ai pris quelques balles. Oh, ouais. Ah. Donc la deuxième mission du tuto. Bon les gars, ces soldats ont tout l'air d'avoir été séparés de leur section. On va aller leur faire un petit coucou et leur indiquer le chemin le plus court vers le front. D'après mes notes, il y a une radio dans la petite baraque. Ah mais il est là, Michel, aussi. Quand on aura reconnu le terrain, il n'y aura plus qu'à utiliser la radio pour faire notre rapport au campier du QG. C'est vrai. Ah oui, elle est connue, cette voix. Sir, yes, sir. Je peux vous aider. Sir, yes, sir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça tire de partout, en tout cas. Hein. On a un fil à piège, on a... C'est quand même fou, ça. Donc, notre pistolet, on a quoi comme pistolet? On a aussi un cocktail Molotov. Pelle et piège, ok. Michel, qu'est-ce qu'il a? Il a un gun et ça, il a ça et ça, d'accord. Et notre... Il a évidemment son leurre très connu. Il peut s'enterrer avec sa pioche. Et il a évidemment son poignard. Poignard très important. Ok. Alors. Comment on va commencer? J'y vais, monsieur. Là, du coup, lui, il y a Michel qui fait des tours et des détours. Ok. Je bouge, monsieur. Il n'en a rien à foutre. J'y vais, monsieur. Il en a eu, mais rien à battre. Ah, mais si, on peut prendre quand même l'uniforme. À moi. Alors, par contre, du coup, c'est un des trucs. Donc, maintenant, tous les soldats peuvent se déguiser. Mais,
est-ce qu'il nous détecte? Ouais, c'est ça. Là, il se pose des questions en disant merde, est-ce que c'est vraiment un no-go ou quoi que ce soit, quoi. Ok, ça, c'est le. L'unique. Ah. Je bouge, monsieur. Ça me plaît. Je me demande s'il va voir le gars ou pas. Ah. Ok. Là en gros il nous regarde en nous disant mec, wesh quitté. Wesh t'es qui? J'écoute. Ok. test 1. Je bouge, monsieur. Ouais. Donc du coup, ouais, si lui on le fait passer. Monsieur. Ah mais du coup il a plus son uniforme. Ouais. Oui. Exécution. Donc lui il a les clés et tout ça. Périverbe va être fait. J'écoute. Ah oui, je crois que c'est ça le truc, c'est qu'il y a un temps limite d'utilisation. C'est ça le truc, je crois. Fait. Ah non, il peut pas se déguiser. En fait, la page Wikipédia, elle dit que des conneries, en fait. Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah. Ok. C'est que j'aimerais bien À moi. À moi. Ok. C'est pas ce que vous voulez. Swing. Ça c'est fait. Ok. Bien. À moi. Oh. Oui. C'était très dégueulasse, mais bon. C'était affreux. Ok. Ah non, mais du coup, oui. Forcément. Ah, très belles animations de course, ça c'est clair. Bien. Ah. Bon bah du coup, non. En fait, c'est là que je devrais plutôt c'est mettre en mode protection. Comme ça, au moins, il riposterait tout de suite. Ok. En fait, il suffit de les mettre comme ça, et hop. Oui. Là, ils se mettent en mode protection, et du coup, hop. J'écoute. Oui. Comme ça, ils sont en protection, et comme ça, s'il y a un ennemi qui passe... Il tire dessus. Ça, c'est un bel ajout. Parce que du coup, au moins, comme ça, on est tranquille. Je bouge, monsieur.
Bien. Hop. Fait. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Il tire sur qui ? Quoi ? Comment ça ? Ah ! Mon lieutenant ! Je suis à vos ordres. Il s'est passé quoi ? Est-ce qu'il a considéré qu'on était arrivé près des gens? Ah, mon lieutenant. J'y vais, monsieur. Non, c'est pas ce que je veux. Hein. C'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, alors ça, c'est quelque chose... C'est le nageur de combat qui dit ça en plus. Ça. Non. Ça. Oui, mon lieutenant. Ah, mon lieutenant. Ah. Bien. On va attendre qu'il se retourne. J'y vais, monsieur. À moi. Bonjour. Consider it done. Ok. Come all over. That's easy. Ok. Michel ? Dieu ? Ah oui. À moi. Oh. Ok, 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 ok. Passe ? Exécution. Comment ça? Je comprends pas pourquoi j'ai mission échouée en fait. Oui, donc la clé, c'est l'officier qui l'a, d'accord. Oui, non, mais d'accord, mais sinon... D'accord... Bon, ça, ça va nous apprendre du coup à regarder dans les par les fenêtres et tout ça, mais comment... je comprends pas pourquoi. Nous sommes pareils. Pourquoi j'ai mission échouée, j'ai pas compris là. Et du coup, c'est pas... Bien. Le béret vert peut pas mettre l'uniforme d'officier. Ça tombe sous le sens, un petit peu.
Bon, okay. Du coup, on va tuer lui, quand même. Ça, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Déjà. On va sauvegarder. Ça d'accord. Oh. Ah merde. Ah. Ok. Je sais pas, mais pour qui? Pourquoi? Je comprends pas le... En fait, je vois qu'il tire sur les gens, mais... J'y vais, monsieur. On peut pas les contrôler encore. Ah. En plus, c'est Cherbourg, Caen. Oh là là. Je bouge, monsieur. Ok. Bon. Bien. À moi. J'étais fond. Mais je comprends pas. Est-ce que c'est vraiment parce que c'est minuté? Si c'est minuté, faudrait le dire, quoi, qu'il faut se dépêcher. Moi, s'il faut se dépêcher, let's go, quoi. Hein. Exécution. On va se dépêcher, hein. L'autre, du coup, il peut pas les avoir de d'aussi loin. On va reload. J'y vais, monsieur. Exécution. Ah ouais, un mort. D'accord, ok. Ah bah oui, bah pourquoi pas. Ah oui, un mort égale... va te faire, quoi. D'accord. Ah oui, ça va pas être relou, ça, en fait. Pas du tout. J'y vais, monsieur. Terminé. À moi.
À moi. Bien. Oh. Ok. Bien. À moi. Oh, on était bien. En fait, j'avais peur que qu'ils se fassent défoncer à cause des trois gogoles. J'y vais, monsieur. Tout ça m'a fait peur. En fait, on était bien là. Bien. Exécution. Ok. Bien. À moi. Ok. Ok. Oh la vache. Ok. Alors, en théorie, ouais, faut toujours regarder avant d'entrer dans une porte. Bien. Avant d'entrer. Voilà. À moi. À moi. C'est M du coup, pour la machine and pistol là. Bien. Terminé. Un message radio. Un groupe ennemi s'approche rapidement de votre position. Ils ont un pourquoi il faudrait les autres joueurs, les autres personnages, on s'en fout. Voilà. Résister. Détruisez ce blindé. Comment il y a un blindé. Passe. Je bouge, monsieur. Du coup, s'il y a un blindé, qui dit blindé dit. Un problème. Ah merde. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non. Non, okay. Non. Il n'y a pas de mine, Michel. Oui. Merci de répondre. Ouais. J'y vais, monsieur. Machine and pistol. Ok, je veux changer de vue. Merci. Bien. À moi. Alors. Ok. Un. Ouais, d'accord, ils vont pas. Ils vont pas venir loin. J'écoute. En fait, ça c'est le bouton pour déclencher l'invasion. Du coup, si je sauvegarde là, on va sauvegarder sur une partie. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé test au début, hein. Vous posez pas la question. Oh mon lieutenant. Alors. Je fonce. Ouais.
Correct. Entendu. Ça sert à quoi, ça? À faire un trou. Ok. D'accord. Mais sinon... Au boulot. On a le détecteur de mine. Ok. T'as une arme intéressante, toi, ouais. Au boulot. Comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? Garde à vous! Oui? J'écoute. Ok. Ah non, c'est pas toi qui a le fusil, c'est lui. Ok. Tu? Mais non, oui. Mais... Reste là, Michel. Oui. Ok. En fait, le problème, c'est le blindé, oui, mais... J'écoute. Il n'y a pas de truc à blinder là-dedans. J'ai pas regardé si dedans il y avait. Non, il y a que ça. Entendu. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Il y a ça. Des grenades. Grenades cocktail et. Fumigène. Correct. Ok. Grenade, mi. Okay. Right. Ok. Il est où Michel? Ah oui, il est là. Ok. Au cas où. Et comme ça, lui, on a. La grenade au cas où. Ok. On va sauvegarder et on va tester. Pendant que je sauvegarde, ouais, je switch pas. Hein. On switch quand c'est une cinématique. Ok. Testons. C'est mon rayon. Tu peux viser que jusque là, quoi. C'était élémentaire. Préparer la grenade. Feu. Oh, putain. C'est mon rayon. Ah, on a tué quelqu'un qu'il fallait pas. Su avec la grenade. Mais non, il y a. Vous aider. En fait, faut limite le remettre comme ça, lui, en fait. Ok. Dieu. Il faudrait le mettre comme ça. Là. Ok. Et du coup, ils viennent tous par là, quoi. On peaufine. C'est comme Hidden et Dangerous. Je sais pas si vous vous souvenez de cette. J'ai fait charger. Je suis très con. Je suis parti. C'est un peu comme Hidden et Dangerous. J'écoute. Hidden et Dangerous, on avait fait ça. On peaufinait à chaque fois notre plan de défense. Oui.
Ok. J'écoute. Oui. J'écoute. Je cherche lui. Oui. Ok. Là, on va sauvegarder cette fois-ci. Non. Voilà. Alors, testons. C'est mon rayon. En fait, il faut juste se planquer et préparer la grenade, en fait. Et eux, je les mets juste là, en fait, ici, pour qu'au cas où il y en ait un qui dépasse. C'est mon rayon. Au boulot. Admirez le travail. Du coup, il y en a un qui s'est barré. Il est où ce con ? Le problème, c'est que j'ai plus de grenades. Normalement, il y a un blindé qui s'en est arrivé. Donc, on va recharger. Alors, en fait, il faut que je garde un maximum de. Un maximum de grenades pour le blindé. En fait, faudrait vraiment que j'en utilise que 3, quoi. En fait, faut qu'il me voie et avant qu'il me tire dessus, que je me planque. C'est fait. Ah oui, putain, la vache. D'accord. Michel est mort. Vive Michel. Putain, mais c'est pas vrai. En fait, c'est ça, faut qu'il me voie et après je me planque. Je peux vous aider ? Alors, on va bouger Michel, en fait, par contre. Ok. Parce que Michel est un peu trop... Ok, on va le mettre là, Michel. Donc là, on va lancer. On va se préparer en mode grenade. Mais on va pas lancer les grenades tout de suite. Faut juste qu'ils me voient pour en fait qu'ils arrivent et après je peux balancer mes grenades d'un coup quoi. Tâche effectuée monsieur. Bonjour. Au boulot. Ah c'est un sniper, je viens d'entendre le bruit. C'est pour ça. En fait, je peux regarder mon retour. Et mon retour, il est plus à jour que ce que je vois à l'écran, du coup. Parce que le temps de switch est beaucoup trop long. Ah merde, je l'ai pas bougé. Écoute. Oui. Tâche effectuée, monsieur. Au boulot. Eh merde. Je peux vous aider ? En chemin. Ok. C'est mon rayon. Le problème, c'est que je peux pas tirer d'assez loin, en fait. Hein. Il me voit, hein, de toute façon. J'y cours. Oh, oh,
Au boulot. Oh. D'accord. Terminé. Terminé. Le problème, c'est qu'on a, on a perdu Michel. C'est le problème. Je démarre. Ok. Eh merde. Et du coup, il y a un blindé qui arrive. Ok. Ah oui. Correct. Oui. Fait. Ok. Ouais, donc du coup, c'est pas possible. Si j'ai plus mes grenades, c'est pas possible en fait. Après, normalement, j'ai censé avoir des fumigènes. Et qui, c'est lui qui doit les utiliser ? Non. C'est lui qui doit les utiliser ? C'est vrai qu'il a des cocktails Molotov, donc du coup... Ah, mais du coup, est-ce que... Ouais, est-ce qu'on ferait pas ça ? Ok. Ouais. Est-ce que... Ouais, c'est lui les fumigènes. Est-ce que au pire du pire... Ok. Lui, je le mets comme ça, plus ou moins. J'écoute. Et du coup, on jouerait avec lui. Ouais, ce serait pas con. Non, pas chargé. On va pas refaire la même erreur. Correct. Et du coup, on aurait des fumigènes. Alors, je sais pas combien de temps ça dure. Et c'est parti. Ah, bien joué, Michel. Bien joué. En chemin. Alors, bah, du coup, lève-toi. Eve, lève-toi. Entendu. Ok. Facile. Bon. Facile. Voilà. Ah, Michel nous fait rire, Michel. Vous nous avez appelé ? Ah, mais c'est vrai qu'on peut, on peut tous les sélectionner. Ouais. Ah, mais une minute. Nous partons. Parti. Allons. Nous. On est prêt. Convergeons, monsieur. Ça fait beaucoup. Parti. Ah, mais en fait, route. On pourrait faire totalement autre chose. Mmh. Merci de confirmer. Ok. On pourrait faire totalement autre chose comme plan. Ce qu'on pourrait faire, c'est déjà planquer presque tous les corps. Je suis parti. Hop. Comme ça, du coup, dans l'idée, eux, ils viendraient
Il y aurait quasiment plus de corps. Donc ils arriveraient comme ça, tranquille. On attend les ordres, monsieur. Ah, mais... Attendez. Venez. Oui, 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 prêt. C'est la voix du narrateur du 1. Venez. Venez. Allons-y. Allons-y. Ah, c'est une compagnie Venez. Entière. Non, merde. Bah si, en fait si, parce que du coup on va sauvegarder. Je suis parti. Oui. Non, voilà. J'aimerais en fait avoir au moins un mec. Oui. Ok. Oui. Oui. Ok. Du coup. Monsieur. Monsieur. Ok. Hop. J'écoute. Oui. Hop. Testons. Là, normalement, ils vont arriver. Ils vont être attirés par eux, donc ils vont venir là. Je suis parti. C'est mon rayon. Je suis parti. Dieu. Alors, par contre, il y a lui qui m'ennuie. Parce que lui, il est là. Et... Pas lancé, hein. Attends, il voit quoi lui? En chemin. Ah mais si je fais ça. C'est bon. Le coucou hibou. Oui, le coucou hibou a fonctionné. Facile. Oh. Alors par contre Jean-Michel est très con. Dieu. Ah, par contre, c'est une super idée, ça. Hein. Ah, par contre... Est-ce qu'il va s'approcher? Oh oui. Par contre, tu me vois pas, hein. C'est mon rayon. Ah. No. Allons-y. Me dis pas qu'il faut 3 grenades pour le péter. Allons-y. Tintintintintin. On est en route, monsieur. Allons-y. Il va me voir. Venez. Ok. Mais me dis pas qu'il faut un... Parce que lui, avec ses cocktails Molotov, c'est mort. Hein. Voilà. Facile. Merde. Facile.
Ah, il y avait encore Jean-Michel ici, j'avais pas vu. Je fonce. Enfin, il voit rien en plus. Je fais. Et je fonce, mais je ne vois rien. Terminé. Ah ouais, mais du coup, s'il faut 3 grenades pour le détruire, on recommence. Mais l'idée était très bonne. Faut juste que du coup, ouais, que je replace eux. J'y vais, monsieur. Non. Ouais. Hop. Ouais. Je suis prêt. Ah, toi, t'es quoi, toi? Ouvrir fenêtre. Ah oui, ouais. Mais du coup, couvert fenêtre, oui, mais non. Du coup. Ok. Ok. Oui. Oui. Si c'est ouais. Bon. Oui. Ok. Bon. Du coup, toi. J'y vais, monsieur. Ok. Ok, on va re-sauvegarder. Là, c'est quand même. Eh, c'est que les deux missions du tuto. Et vont nous avoir pris les 2 heures, quoi. Quand même fou. Okay. Du coup, bah on va lancer. Je suis parti. On va voir. S'il faut les 3 grenades. Là, on va faire une sauvegarde rapide. Parce que là, je suis vraiment pas sûr que ça passe, quoi. Alors. J'y cours. Ouais. Ok. C'est fait. D'accord. Oh. Oui. Ah bah, c'est ah, bon. Okay. Ah, mais qui c'est qui me tire dessus? Oui. Pardon? Faisons-le. Il y a des balles à retardement. J'ai eu des balles à retardement. Des balles imbibées de cyanure à l'intérieur. Alors, one gregre. Admirez le travail. Two gregre. D'accord. Three gregre. C'est non. No. Ouais. Nous sommes prêts. Du coup, c'est quoi l'objectif?
d'accord. On est prêt, monsieur. On est prêt. Du coup, on fait comment ? Pareil, monsieur. À moins que les ennemis aient des grenades ? C'est mon rayon. Ok. D'accord. Non. Non plus. D'accord. T'as pas de grenade toi, Michel, que tu que t'aurais gardé. Non. Terminé. Boum. Soldat caporal, soldat, soldat, soldat. C'est le piège. Soldat officier, soldat. Soldat, soldat, soldat. C'est un mur. C'est une fenêtre. C'est un poteau. Tâche effectuée, monsieur. Lui, il peut pas monter sur le poteau. Ouais, bah non, c'est complètement con. Ça serait complètement con. Lui, il peut pas rentrer dans le chat. Je démarre. Quart de tour, comme dirait l'autre. Ok. Quoi dans la caisse, y a rien. Ah, y a du soin et de la nourriture. Merci. Ok. Donc on peut pas aller dedans. Bonjour. Non. Comment allez-vous? Non. Non. Bang. Bang. Entendu. Ok. Elle appelle. Bon, bon, bon. Non. Non. Oui. Il dit non. Mais passe. Ok. Il a attaqué la pioche. Ok. Mais non, mais comment on fait du coup maintenant? Voilà. Là ça pète, lui il meurt. Ah. Ah mais comment on fait du coup? Mais après tout le monde est mort, donc il y a juste le tank. Excusez le char ennemi. Les chars sont redoutables quand vous faites un 5 sont le commando. Bah oui, mais. Mince. Fait échappe, mais je voulais pas faire échappe. Pas de mine anti-char de toute façon. Bah non, mais du coup, oui. Comment qu'on. On est prêt, monsieur.
On peut pas savoir ce qu'ils ont dans leur inventaire, quoi. Quitter le mode agressif. C'est pas ce que je voulais faire. Je peux vous aider ? Je peux vous aider ? Non. Pourquoi tu veux pas examiner ? Du coup, moi, ma dernière solution. Merci. Oui. Ouais. Correct. Moi, ma dernière solution, c'est d'aller voir sur les cadavres s'il n'y a pas des loinades. C'est ma seule solution. Tâche effectuée, bon. Monsieur. C'est non. C'est fait. C'est non. C'est fait, mais c'est non. Terminé. C'est non. C'est non. Où le corps du gars bizarre? C'est mon rayon. Ça m'est arrivé plein de fois, je suis sur ça. Hein. De faire échappe alors que je veux pas faire échappe. Terminé. Bam! Non. C'est fait. D'accord. Terminé. Non. C'est fait. Au boulot. Est bien, c'est que ce qui montre que Pyro Studio, c'est un studio de développement qui a de l'expérience. Je bouge, monsieur. Parce que c'est un studio de développement qui s'est dit, il y a forcément des joueurs qui vont pas l'avoir. C'est pas ce que je voulais faire. Il y a forcément des joueurs qui vont pas l'avoir. Et donc, exécution. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va mettre une bombe comme ça. Comme ça, oui. Comme ça, si la personne n'a pas réussi à placer les mines au bon endroit ou si elle n'a pas bien fait ses mines, on va faire une sauvegarde. Et ben, elle peut quand même détruire le char. Non. Eh ouais. Et ça, c'est un bon développeur. Ça te... c'est... Là, à l'heure actuelle, il y aurait des développeurs qui auraient dit « Ah bah t'as pas réussi, bah tu reload !» De con. Tâche effectuée, monsieur. Et bah voilà. Mission accomplished. Et donc, on va peut-être pouvoir, après 1h40 de VOD, faire la première mission du jeu. Mai 1941. Le Troisième Reich a assujetti toute l'Europe occidentale continentale. Toujours le même narrateur. Le dernier bastion de résistance est la perfide Albion. N'ayant pu parvenir à poser le pied sur l'île ennemie du fait de la supériorité de la Royal Navy, les Allemands se lancent dans une guerre d'usure. L'Angleterre, isolée, dépend entièrement de ses approvisionnements par voie maritime. Ah ben. L'Amérique, notamment, assemble de gigantesques convois qui transportent armes et carburants.
L'état-major allemand fait aussitôt de ses convois très lents et mal protégés l'objectif prioritaire de sa flotte sous-marine de l'Atlantique. La Palisse, située sur la côte française la palissade. De la Rochelle, est la principale base des U-boats allemands. Construite comme un gigantesque bunker, c'est une forteresse inexpugnable. Et ses quais protégés par des milliers de tonnes de béton renforcés sont invulnérables aux attaques aériennes. Elle est le repère idéal des meutes de loups d'acier qui écument l'Atlantique. Et cette voix me fait beaucoup penser à la voix du mec dans le FMV Fort Boyard. Vous me recevez ? Je vous écoute, soldat. J'observe les mouvements ennemis depuis un bon moment. Et des changements ? Ça s'agite dans tous les sens. On dirait qu'ils se préparent pour quelque chose. Une seconde, mon général. On dirait qu'un des nôtres est déjà là-bas. Ah, le chien. D'accord. Mais il n'y en a pas pour longtemps. Général, ce type, c'était pas mon contact ? Non, votre contact est une femme, Natacha. Elle vous attend dans un des bâtiments extérieurs. Soldat, je veux que vous découvriez l'identité de l'autre type. Bien, mon D'accord. général. De nouvelles infos sur notre objectif ? Non, l'énigma devrait toujours se trouver dans le coffre du général. Ah, donc on va récupérer une énigma. L'importance de cette machine, soldat. Avec elle, nous pourrons décoder les communications nazies. Oui, mon général. Je fais le maximum. Terminé. C'est tout bon. En vrai... On n'a jamais récupéré d'énigma. Un truc pour moi. Enfin. De toute façon, je crois, non ? Alors, du coup. Du coup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est beau, c'est monochrome. Je sais ce que c'est. C'est beau, c'est monochrome, je sais pas ce que c'est. Là, c'est la carte. Ah oui, la carte, c'est F9, d'accord. Donc, nos objectifs. Contacter l'allié blessé. Qui se trouve ici. D'accord. Dérober l'énigme. D'accord. Et contacter Natacha. Ok, donc Natacha qui se trouve ici. Grille électrifiée. D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours une sauvegarde. Hop. Alors, c'est là qu'il faut regarder un peu partout. Ok, là, on a une faille ici. Les mains dans les poches. Ouais. Et parce que tous les personnages peuvent nager maintenant. Ça me botte bien. C'est fait. Je le faisais. Ok. Parti. Alors. Alors, on a l'entrée qui est là. Alors, faut pas oublier que lui, il peut pas. Enfin, il peut assommer, mais il ne peut pas. Tout petit, je le faisais. Planquer les corps. J'y vais. Parti. Ouais. On sait, je peux pas y aller. Bon,
Au Bene. Ouais. Je me grouille. Je peux pas y aller. Non, je cherche. J'y vais. Ah oui, ben. Ouais. 4 auto. Ça commence à sentir le roussi par ici. Bonjour quand même. C'est quoi le plan? La porte du bureau du général est verrouillée et son aide de camp est à la cantine pour l'instant. Et alors? D'accord. C'est lui qui a la clé du bureau. Il boit beaucoup. Alors je compte mettre du somnifère dans son vin pour l'endormir, puis on lui pique la clé. D'accord. Et où je trouve des somnifères? J'en ai sur moi. Et pour le général? Je vais lui téléphoner et m'arranger pour qu'il quitte son bureau. Mais je ne sais pas combien de temps je pourrais le retenir. Alors fais vite. Ça devrait aller. D'accord. Du coup... j'ai accès à Natacha? Ouais. Alors, on a accès à Natacha. Ça me va bien. Ok. Natacha, donc, elle a évidemment son déguisement et elle a le rouge à lèvres pour... distraire les gardes. Déplacement en cours. Du coup, ça c'est quoi ça? Un échangeur. Je ne peux pas. Je suis là. J'écoute. Ah ah. À moi. J'attends la suite. D'accord. J'ai pas vu ce que ça faisait, mais ok. Ok, donc là, on peut pas y aller. Taxé, Natacha, merci. Ah oui, du coup, on a l'objectif parce qu'on est dans la zone, ok. Et ouais, la map, ok, ça montre juste on est là. Juste voir au niveau. Parce que là, si on sort. Ouais, si on sort de là. Après, il faut aller. On passe par là. Je m'avance. À moi. Alors, par contre, j'ai oublié, il était où l'aide de camp ? Ah, il faut aller là. Je m'avance. C'est vrai qu'il faut aller là aussi. Je m'avance. À moi. Membre de la résistance. Faut les sauver. J'essayais de m'échapper. Prenez ça. Tout y est dans le message codé. Ça va, Whisky, c'est un ami. Faut le déchiffrer avec la machine. Vous avez fait des voix pour Explore, vous, non? J'ai eu beaucoup de temps. Pour les croisades. Occupez-vous de mon chien.
Et nous avons le chien. Le chien a rejoint votre équipe. Ah, c'est pour aboyer. Bravo. Besoin d'aide, monsieur? Monsieur, vous avez besoin d'aide? Bien. Alors, du coup, oui. On va le tuer, le chien, au bout d'un moment. Bon, on va sauvegarder déjà. Sauvegardons. Test 2. Oui. Entrée. Tac. Bon. Du coup. Je m'avance. Bon, on a pris contact avec Michel. Voler la clé du bureau, au bureau du général. Ok, donc l'aide de camp, il est ici. Ok. Dérober Enigma, déchiffrer les messages à l'aide d'Enigma. À l'aide de somnifères. Ah ok, ils sont là-dedans les somnifères. À moi. Oui. Somnifères, Mark 4. Ok. Hop. Déplacement en cours. Alors ensuite, il faut aller du coup. Oui. Alarme ! Kriegreifen an ! Alarme ! Alarme ! Alors ce qui est rigolo dans Commando 2, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de mission fail si on meurt. Et parce qu'en fait, t'as quelqu'un de la Gestapo qui est là, en fait. Je m'avance. Et là aussi. Je m'avance. Ah ah. Bien. Oui. La Gestalt Polizei. Oui. C'est là qu'il faut aller. Attention les yeux. Pardon. Ah ah. À moi. Une bouteille. J'ai oublié de prendre le somnifère, idiot. Ah, mais bel et idiot. Bien. J'avais oublié de sauvegarder. Let's go. Oui. À moi. J'ai oublié de sauvegarder quand j'ai récupéré le somnifère. En scène. Et Gretel. N'importe quoi. Oui. À moi. Ok. Ah ah. Ça, c'est que le chien, il reste là, tranquillement. Bien. Très bien. Oui. Alors, parfois, les chiens, oui, je crois qu'ils peuvent... Peuvent nous voir à travers le costume, je crois, les chiens. Très bien.
Très bien, oui. Oui. Sauvegarder. Au cas où on fait une bêtise. Mais non. En scène. Un bonus. Voilà, ça je voulais. Mais non mais. Échanger, examiner. Ah oui. Ok. Mais, les bouteilles de vin ou les morceaux de viande, donc oui, les fameux morceaux de viande. Les bouteilles de vin ou les morceaux de viande. J'attends la suite. Pardon. Mais j'aimerais les mettre sur la bouteille là. Ah ok. Pas de problème. Pas de problème. Non non. Ben, c'est quoi? Non. Il se passait quoi? J'ai pas compris. C'est fait. À moi. Pas question. J'ai pas compris. Voilà, faut les remettre dedans. J'en mets une dans le meuble et j'en mets une là. C'est fait. Bien. En scène. Bon, tu t'endors, hein, Michel, ou pas? Sinon, moi, je t'assomme à la main. Boum. Déplacement en cours. Oui. Alors, faut que je la jette là. C'est fait. Déplacement en cours. Ah, ou alors faut que je fasse sur la caisse. Non mais please quoi, c'est pas. Heureusement qu'ils en ont mis 5, hein. De somnifères.
Attention les yeux. Oui, dans le camp. Je me grouille. J'y vais. Ouais. Parti. Ok. On bouge ? On y va. Venez avec moi. En plus, ils dorment tous. Attention les yeux. On les a même pas vus s'endormir. Bien. Aide de camp. Les clés. Nous y allons. Bon, on va sauvegarder. Nous y allons. Allons-y. Comment ça, madame? Vous avez un chien? Oui. Ok. Non, non, non. Ok. Parce que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Bien. Ok. Ok. À moi. We are in the place. Toujours servir. Bien. Achtung! Ok. Je me mets à plat ventre. Je me rends. Je voulais juste vous dire bonjour, monsieur. De ce côté-ci. Bien. En scène. Bien. Il y avait quoi là-dedans? Ah oui. Les jumelles. Non, non. À moi. Est-ce qu'il boit? Je crois pas. Hein. Ah si. En scène. Achtung! À moi. Alarme! Vous êtes chiant. C'est fait. C'est pas ce que je voulais. À moi. Au béni. Faut qu'on reload. Ah, c'était pâle. De ce côté-ci. Par contre, j'étais assez étonné qu'il boit direct, en fait. Bien.
en scène. Là, faut attendre qu'il se retourne. Je m'avance. À moi. À moi. Bien. À moi. Was war das denn? C'est fait. Oui. Mais il n'y a rien de... Ouais. Faut déjà l'objectif. Oh, d'accord, mais du coup... Wer hat mich geschlagen? Die greifen an! Je regarde en même temps ce qu'il y a, mais il n'y a rien de... De ce côté-ci. Lui, il a pas de... Ah si, il a des rossignols. Non, mais on peut pas passer là, non? Comment veux-tu le faire passer? Oh, quoique. Pas de problème. Je sais pas. Je m'avance. Et du coup, en fait... Ok. Là-dedans, il n'y a rien. Ok. Là-dedans, il n'y a rien non plus. C'est fait. Mais c'est vrai que là, les jumelles... Ils servent à quoi, en fait, les jumelles? Parce que j'ai même pas regardé. Natacha peut téléphoner au général. Ah oui! Oui, d'accord, c'est en fait, tu téléphones là, lui, du coup, il va se retourner. Oui, d'accord. Donc ça, c'est là. Attention les yeux. C'est fait. Sie greifen an. Achtung. C'est pas le bon bouton. C'est pas le bon bouton. Ça m'embête parce que j'ai l'impression que c'est... Il y a un truc qui manque. De ce côté-ci. Allons-y. Aha. Qu'est-ce qui me manque comme truc? Ok. Attention les yeux. Bien. Qu'est-ce qui me manque comme truc? À moi. Bien. Parce que là, il y a juste ça. Là, il y a une sorte de rebouteille. À moi. Ça, c'est pour appeler. Au béni. Oui. Oui, mais c'est un peu... C'est lui qui peut?
Oui. Was war das denn? À moi. Je me grouille. Ah mais si lui il peut, c'est chiant parce que du coup faut le faire passer là-bas quoi. J'y vais. Ouais. Parti. Alarme. J'y vais. Parti. Je veux juste voir en fait. Une promenade. Ah, c'est vrai qu'on peut le faire passer assez facilement. Ouais. Ok. Et non. Vite fait, bien fort. C'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce que je veux faire. En fait, il y a tellement de boutons. Ouais, ok, d'accord. C'est bien lui qu'il faut qu'il crochette. D'accord. Les mains dans les poches. Bon, bah du coup, c'est lui qu'il faut qu'il crochette. Bon, ça fait 2h14 de VOD. Ça me fait chier parce que je suis sûr que c'est bientôt la fin de la mission. De ce côté-ci. Du coup, ce qu'on va faire... Aha. Parti. On va le refaire passer. J'y vais. Ouais. Parti. J'y vais. Ouais. Parti. On va sauvegarder. Sauvegarder clair. Déplacement en cours. Oui. Ouais. Ok. Ok. Du coup, on va refaire notre truc. À moi. Par contre, il faut attendre qu'il se retourne. Attention les yeux. Bien. Achtung! Mais non. Greifen an! Je suis là. Ok. Où bin ich? Ça c'est pas du tout une passé promenade. Comme prévu. À moi. Was war das denn? C'est fait. C'est quoi les objectifs? Est-ce que le message allait d'Enigma? Ah oui. Sauf que c'est elle qui a le message. Er hat mich geschlagen. Bonjour. C'est fait. Il faut immédiatement informer le QG.
C'est trop important. On doit prendre le risque d'utiliser la radio. Ah. Alarme ! Bah oui, du coup. Mais je cherche... Tellement chiant. En fait, il y a plein de boutons. Il y a plein de boutons, il y a plein de trucs. Utiliser ces mages. Alors, dans aucun jeu, c'est mage pour utiliser. Mais bon, là, c'est mage pour utiliser. En scène. Mais non. À moi. Ok, putain, il n'a pas vu la bouteille. Ok. Et va boire ton petit verre. En scène. Au béné. Putain, il le réveille. Putain, il le réveille en fait. J'ai pas le temps de le laisser endormi. Je m'avance. Non, c'est mage pour utiliser. Non. En scène. Achtung! Mais non! J'ai appuyé pour le déséquiper, bouteille. Mais il a pas pris le clic. Je m'avance. Ta gueule. Oh putain, ça m'énerve. Ça y est. Ma patience commence à avoir des limites. Très bien. Donc, tu jettes la bouteille. C'est fait. Tu déenlèves tes trucs. Tu attends qu'il parte. Tu ouvres la porte. Il prend la bouteille. Oui. Voilà. J'ai fait sauvegarde. Allez, ça m'emmerde. Allez, on continuera la prochaine fois. Ça commence à me chauffer, on va dire. On terminera ça la prochaine fois. Tant pis pour la VOD. Tant pis, vous verrez ça la semaine prochaine. Mais là, ça commence à me chauffer. Ça fait 2h20, ouais, 2h20 de VOD. On continuera ça la prochaine fois. Il reste peu de choses, hein. Là, après ça, faut aller du coup au truc. Mais là, ça commence à me chauffer. On continuera la semaine prochaine. Alors, ressenti pour l'instant, les missions sont beaucoup plus alambiquées que avant, j'ai l'impression, que dans le 1. Et surtout, le problème, c'est qu'ils ont voulu simplifier l'interface. Mais maintenant, par exemple, vous avez donc ici, on les voit hein, d'ailleurs, bon, vous les voyez en petit, on va les mettre en plus grand. Ici, vous avez en fait les 4 cases, armes et tout ça. Mais le problème, c'est que vous pouvez avoir plusieurs armes, vous pouvez avoir plusieurs trucs, alors qu'avant, tout était sur votre sac à dos et vous pouvez cliquer directement. Là maintenant, si vous connaissez pas les raccourcis, c'est mort. Pardon. Donc, du coup, oui, c'est un peu con. Là, on va faire en fait abandonner la partie. Parce que je veux juste voir, voilà, définir les commandes. Ah oui, ah bah, ouais. Voilà, vous voyez un petit peu. Déjà, vous voyez le bordel que c'est. Vous vous dites d'accord. Donc là, sur le bouton D, vous avez tout ça. Sur E, vous avez ça. Sur F, vous avez ça. Sur. C'est... Voilà. Voilà le gros problème pour l'instant, je trouve, du jeu, c'est ça. Vous avez trop de trucs. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. À la base, en fait, je voulais ça pourquoi, moi, déjà ?
la base, je voulais ça pour je ne sais plus quoi. C'est pourquoi je voulais voir les contrôles déjà. Je sais plus. Je sais plus pourquoi je voulais voir les contrôles en tout cas. Mais voilà, vous voyez un petit peu le délire que ça va être. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On continuera donc du coup la prochaine fois. On finira du coup cette mission là. De toute façon, et on commencera du coup la mission d'après. Là, je crois qu'en plus, on peut voir les missions d'après. Oui, voilà. Donc là, on en est là, la nuit des loups. Et on peut voir l'aperçu de Das Boot. Donc du coup, Das Boot, la mission d'après. Et la mort blanche, qui est la mission encore d'après. Donc, là, on en est là, première mission. En normal, hein. Je tiens à le préciser. En normal. Ça c'est quoi? C'est les médias, hein. Ah, et voilà toutes les missions. D'accord, ok. Ok, ok. En tout cas, oui, donc j'espère que ça vous aura, que ça vous a plu. Donc on continuera ça la semaine prochaine, jeudi prochain, 20h30, comme d'habitude. Là, il y aura un petit peu moins de retard, parce que le jeu, ça y est, je sais comment il fonctionne et tout ça. C'est pour ça qu'on a perdu un peu de temps aussi sur le tuto, mais aussi sur... il y a au moins, oui, 20 bonnes minutes de moi qui essaye de faire fonctionner, enfin en tout cas afficher le jeu. Donc du coup forcément ça a pris un peu un plus de temps. Sinon on se retrouve donc demain 20h30 pour du Death Stranding, où on commencera le chapitre 8, vu qu'on a fini le chapitre 6 et le chapitre 7 hier. Donc du coup on commencera le chapitre 8 de Death Stranding. Et du coup, bah, la semaine prochaine, alors la semaine prochaine, du coup, on devrait repartir sur du mercredi, jeudi, vendredi, à moins qu'il y ait un stream multi avec Neo et Alyosha. Ça, je sais pas encore, on verra bien. Peut-être que non, peut-être qu'on fera que mercredi, jeudi, vendredi, on verra ça. En tout cas, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir accès à toutes les VOD. Depuis le début de la chaîne, il y a du Police Notes, il y a du Explore, il y a du Snatcher, il y a du Commando, premier du nom. Il y a du Hidden Dangerous, il y a du Revenant, Revenant formidable, du Darkstone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des jeux un petit peu plus indé, il y a des jeux un petit peu plus mainstream. Il y a un peu de tout, on va dire ça comme ça. Il y a du FF8, il y a du Persona 4, du Persona 5, du Mystic Quest, du Fable, Fable 2, Fable 3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beaucoup de jeux. Donc ça, c'est sur la chaîne YouTube Metroid02. N'oubliez pas également de follow le compte Twitter Metroid02 Stream pour avoir accès à toutes les dernières informations liées au stream. C'est-à-dire les calendriers, s'il y a des problèmes, s'il n'y a pas de problèmes, différentes choses, etc. Je pense que c'est tout. Portez-vous bien, stay safe, et à demain 20h30 pour du Death Stranding. Allez, ciao !